Bon les amis, on se retrouve. Il est 5h15, repas numéro 1 de la journée, donc avant la compète. Hein. Tout simple, du riz 300 grammes, 2 œufs entiers, toujours ma sauce ketchup. Et puis voilà, donc je vais manger ça, ensuite on va se diriger pour la seconde couche de tanne. En tout cas, on se sent bien, on se sent prêt, on se sent d'attaque, on se sent confiant. On verra bien, il y a toujours une petite part, un petit peu de stress, c'est logique. Et puis voilà, cette année, je ferai attention de ne pas jouer au casino avant de monter sur scène. Du coup, on se retrouve au TAN, je filme tout ça et une longue journée nous attend. Allez, à tout à l'heure. Action. Bon, bah du coup... Nous voilà en voiture et je dis tout le temps bon bah du coup, c'est un truc de fou. Et voili voilou aussi. Direction la deuxième couche de tanne, il est 6h du mat. Moi je pense que je vais passer vers midi. J'ai vu mon coach Chris assez tôt tout à l'heure, il est super content de la condition, donc au top du top. Donc voilà, il n'y a plus qu'à rester serein, à faire le boulot et puis bah, on verra bien ce que ça donne. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Bon bah les amis, en attendant le passage, coutume de Rizonesque, on joue au jeu. Et voilà, c'est cool. Du coup, on se voit tout à l'heure, passage d'ici une heure je pense. J'espère que ça va le faire. Allez, à tout à l'heure. Two fifty-five.
Gentlemen, front double bicep. Relax. Side chest. Back to double bicep. Relax, 255 and 140 switch. 255, 140. Favorite classic pose. Allez, bébé! Magnifique! Bon les amis, je sais pas si on me voit bien. Petit repos post-compète. On vient d'enlever tout le tan, tout ça. Une vraie merde. Mais bon, ça c'est le post-compétition. Qui veut ça? Là on va s'habiller. Direction mangeation. Mangeage. Et on va aller sûrement au Cheesecake Factory. Je filmerai ça, je n'oublierai pas cette fois. Ok, bah je vous dis à tout à l'heure, et puis voilà, on va retrouver un petit peu de force, il y en a besoin. Les amis au Cheesecake Factory, on fait très light, lasagne, veggies, oui je deviens vegan, et même Marco il a mangé une salade, putain. C'est vrai. Bon ok, on vous avoue que c'est parce qu'on a bouffé de la merde avant qu'on avait plus envie. Mais, toi t'as pris quoi ma chérie? Un poké, une sorte de pokéball mais dans une assiette. Donc c'est une poké assiette. Poké plate. Un deuil, je sais pas parler. Regardez, moi c'est beauté. Happy birthday to you. On sait même pas c'est l'anniversaire à qui, mais... Maintenant, on va manger. Là, on a été manger du coup au buffet du César Palace. Là, c'est vu, on est dans César Palace. Ils ont fait un faux ciel et tout, c'est magnifique. Je vous laisse profiter de la vue comme si vous y étiez. Vraiment super beau. Et là on va aller dormir un peu parce que je suis complètement défoncé. Voilà. Très fatigué. Je commence à un petit peu reprendre des joues, ça fait du bien.
peut se revoir avec quelques petites joues comme ça. On y va, ma chérie? Et puis voilà. Elle a bien mangé aussi, elle. Elle n'a pas la peau. T'as dit quoi? Je t'entends pas. Toi aussi, t'as repris des joues. Ouais, ouais. C'est ça, je t'ai dit ce matin que mon visage, il était gonflé. Arrête, ça me complexe. Ah, t'as des joues, là.